Bienvenue sur Info 83, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Savelli, c'est l'auteur de « Besoin de rien, envie de toi ». Eh oui, bonjour. Bonjour, salut Jean-Pierre, comment vas-tu ? Impeccable, tout va bien. Tout va bien, c'est bien ça, hein ? Besoin de rien, envie de toi ? Un des titres, oui. Un des titres, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y en a. Jean-Pierre Savelli, c'est également une des stars du film Star 80. Une star, nous le mot... C'est le titre. Mais nous, ça nous fait bizarre ce mot-là, mais bon. On est des comédiens, chanteurs et des saltimbanques et on est heureux de se retrouver tous avec la bande depuis plus de 25 ans. On se met dans l'ambiance tout de suite, on regarde un petit extrait, ce que ça donne, Star 80. Soirée, en rouge et noir, femme libérée. Born to be alive, et de toi seul être l'esclave. J'ai besoin de rien, envie de toi, comme dans les années 80. On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques. Et sous les sunlights et les tropiques. Ça, ce que tu viens de voir, c'est le clip que j'ai tourné pendant le film. Pendant d'accord. Le film, où j'ai tous mes copains qui sont dedans, Montagnier, Madère, Cookie Dingler, Émile et Images. Et c'est un titre qui devait figurer dans le film. Et puis ils l'ont pas pris, donc moi je m'en suis fait un petit single. Voilà. Mais t'as bien raison. Ben oui. T'as bien raison. Des beaux souvenirs, j'imagine, hein, sur ce film. On t'en parle à chaque fois. Ah ouais, ouais, fantastique. Le premier en 2011 avec Thomas Langman qui nous a concocté ce film, ça a été un gros succès. Plus de 4 millions de personnes dans les salles. Et 10 millions sur TF1. Non, franchement, pour nous, c'est un rêve. Hein. Et c'est ce qui t'a donné l'idée de lancer une tournée, parce que tu as fait 2 années de tournée, hein, tu as oui. Terminé il n'y a pas tellement longtemps, dans certaines villes du Var, les années 80. Ouais, du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, on a appelé ça nos années 80. Et en 2020, on repart, nos années 80 et 90, avec toujours ma femme Sandrine qui fait les chorégraphies, danseuse, chanteuse, chanteur et DJ. Toujours autant de dates ou il y a d'autres dates? Ah ben là, on a déjà signé 7 dates alors qu'on est qu'au mois d'octobre. Et ça a connu un franc succès. Moi, j'ai eu la chance d'être présent sur une de tes dates à la Valette. Oui, c'était à la Valette, oui. C'était, ouais. Et c'était plein. Mais et ça plaît. C'est un spectacle gratuit, mais il faut faire quand même venir le monde. Ouais. Et deuxième actualité de Jean-Pierre Savelli, alors c'est les ateliers de comédie musicale. Alors, les ateliers ou l'atelier de comédie musicale? Bon, c'est les ateliers puisqu'on en est à 4 villes en 1 an et demi. Donc on a ouvert la Valette cette année, la Farlède, Soulespon et la Garde. Alors, en quoi ça consiste, Jean-Pierre? Parce que bon, comédie musicale, ça va forcément tourner autour de la comédie musicale. Oui, française. Surtout, 90% de comédie musicale française. On revient pas trop en arrière, mais on démarre avec Notre-Dame de Paris. Et ensuite, on fait découvrir chanteurs, chanteuses qui font un casting avant de venir chez nous. On a à peu près entre 15 et 20 élèves par ville, on n'en veut pas plus. Ce n'est pas de la chorale, c'est des solos, c'est des duos. On leur apprend chanter, danser, jouer la comédie. Donc ma femme s'occupe de toute la partie mise en scène. Moi, je m'occupe du coaching vocal. Et tout de suite, au bout de 15 jours, ils ont déjà les micros dans les mains et ça chante. Et Jean-Pierre, c'est le but, c'est quoi? C'est de révéler des talents ou bien absolument. De construire une comédie musicale à l'issue de... Pourquoi pas? Pour le moment, ils chantent les chansons des autres et avec leur personnalité à eux, on essaie de faire ressortir leur personnalité. Mais bien sûr, on a une comédie musicale qui s'appelle Le Chevalier Christ, qui est joué depuis 10 années à travers la France, qu'on veut emmener dans le Var, et pourquoi pas avec nos élèves. Les enfants sont les bienvenus, à partir de 10 ans, jusqu'à... Voilà, il y a des villes où c'est plus adulte, la Valette c'est plus adulte, ça démarre à 19 ans jusqu'à 40-45 ans. D'accord. Et il faut chanter, il faut vouloir prendre du plaisir. Il y a des gens qui se disent, peut-être je chante avec Jean-Pierre Savelli, peut-être que... On ne sait pas. Peut-être qu'on allait prendre un spectacle avec nous. Cet été, on a fait un spectacle qui s'appelait Révélation 80. Et il y a une chanteuse qui va ressortir et va enregistrer son single. Je présume qu'il y a un engouement plus des enfants que des adultes. Et tu te trompes. Je me trompe. Ah, les adultes. Ça m'arrive. Les adultes à la Valette. Franchement, il faudra venir un soir. C'est tous les lundis soirs. Le mardi, c'est la Farlède. Mercredi, Soulespon. Et samedi, la Garde. Franchement, on a tout âge. Hein. Et ils ont envie de s'amuser, chanter. Et il faut surtout apprendre beaucoup de chansons. Alors, ce sont des ateliers qui sont complets. Hein. Tout y est abordé. La comédie, la chanson, la danse. Expression scénique.
Voilà, position du micro, on leur fait tenir le micro tout de suite. Voilà, on les met dans des bonnes conditions de professionnels. Est-ce que le casting a été florissant? Il y a eu beaucoup de monde lorsque oui, tu as lancé les castings. Oui, mais comme je dis, on est sélectif, hein. Avec Sandri, avec ma femme, on est sélectif. On fait écouter. D'abord, on écoute les voix. Si ça chante juste, en mesure, et que ça nous plaît, on garde. Voilà. Si c'est pas ces conditions-là, déjà, on leur fait comprendre que pour nous, ça sera pas cette année. Donc, il faut continuer à travailler. Donc, l'atelier ou les ateliers de comédie musicale, la tournée Nos années 80, la vie de Jean-Pierre Savelli est bien remplie à nouveau, j'ai envie de dire, parce que c'est une renaissance. Oui, disons que je suis revenu dans le Var depuis 2 ans, il y a certains maires qui m'ont dit, mais vous êtes en retraite? Je dis, oui, bien sûr. En retraite depuis 2 ans, avec tout ce qu'on a créé, ma femme fait des cours de Zumba. Franchement, ça se passe très très bien, on est très heureux et puis le ciel est important quand même ici. Très 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 important. Je crois qu'on a encore un petit extrait à voir. On va regarder. Ah, c'est toujours le clip des années 80. C'est toujours le clip des années 80. On connaît les refrains. C'est refrain. Qui a fait les nuits des années 80. On survive qu'on se lasse pas de longtemps. Chaque année renaît de ses cendres. C'est le même refrain. 80. Les années 80, on peut dire ce qu'on veut, oui, mais toutes ces musiques, malgré elles, sont devenues magiques. Avec toujours autant de plaisir, Jean-Pierre Savelli, alias Peter. Oui. C'est surtout Jean-Pierre Savelli. C'est bien d'avoir deux prénoms. C'est génial. Oui. C'est comme Lord Brett Sinclair, Danny Wilde. Et voilà, c'est ça. C'est pareil. Ça. Alors, si je veux participer, d'abord j'espère que je suis dans les clous encore, oui, à ces ateliers de comédie musicale. Alors, il y a des Facebook. Alors, la première association, ça t'a fait sourire tout à l'heure, elle s'appelle Le Jour se lève. Parce que bon, regarde, Le Jour se lève, c'est bien. Je pense que c'est bien. La seconde, c'est Aujourd'hui, il y a du nouveau. Vous allez sur Internet, Facebook, les pages où Jean-Pierre Savelli ou Sandri Savelli, et vous vous inscrivez, vous nous téléphonez, vous venez passer une audition. Voilà, c'est ça. Donc l'atelier, les ateliers de comédie musicale. Ici c'est la Farlette, mais il y a également la Valette, il y a Soliès aussi. Oui, et la Garde. Et la Garde. Voilà, merci Jean-Pierre Savelli. Et merci à toi de nous avoir reçus.